Béréchit, Genèse, chapitre 37. Or Jacob demeura en terre de Canaan, terre où avait séjourné son père comme étranger. Voici la postérité de Jacob. Yosef, fils de 17 ans, faisait paître le troupeau avec ses frères. Ce garçon était auprès des fils de Bila et des fils de Zilpa, femmes de son père. Et Yosef rapportait à leur père leurs mauvais propos. Or Israël aimait Yosef plus que tous ses fils, parce qu'il était le fils de sa vieillesse, et il lui fit une tunique de plusieurs couleurs. Et ses frères, voyant que leur père l'aimait plus que tous, le haïssaient et ne pouvaient lui parler avec douceur. Yosef rêva un rêve, et il le raconta à ses frères qui le haïrent encore davantage. Il leur dit, « Écoutez, s'il vous plaît, ce rêve que j'ai rêvé. Voici, nous étions ralliés des gerbes au milieu d'un champ, et voici que ma gerbe se leva et se tint droite. Et voici, vos gerbes l'entourèrent, et se prosternèrent devant elle. Alors ses frères lui dirent, « Régnerais-tu sur nous ? Et dominerais-tu sur nous ?» Et ils le haïrent encore plus pour ses rêves, et pour ses paroles. Il rêva encore un autre rêve, et il le raconta à ses frères, en disant, « Voici, j'ai encore rêvé un rêve. Et voici, le soleil, la lune et 11 étoiles se prosternaient devant moi. » Il le raconta à son père et à ses frères. Son père le réprimanda et lui dit, « Que signifie ce rêve que tu as rêvé ? Est-ce que nous viendrons, moi, ta mère, tes frères, pour nous prosterner à terre devant toi ?» Ses frères devinrent jaloux de lui, mais son père retenait ses discours. Les frères de Yosef s'en allèrent paître les troupeaux de leur père à Shechem. Israël dit à Yosef, « Tes frères ne font-ils pas paître à Shechem ? Viens, que je t'envoie vers eux. » Et il lui répondit, « Me voici. » Israël lui dit, « Va, s'il te plaît, et vois si tes frères sont en paix, et si le troupeau est en paix, et rapporte-le-moi. » Il l'envoya ainsi de la vallée d'Hébron, et il alla à Shechem. Un homme le rencontra errant dans les champs, et cet homme lui demanda en disant, « Que cherches-tu ? » Il dit, « Je cherche mes frères. S'il te plaît, dis-moi où ils font paître leurs troupeaux. » L'homme dit, « Ils sont partis d'ici, car j'ai entendu qu'ils disaient, « Allons à Dothan. » Yosef alla après ses frères et les trouva à Dothan. Ils le virent de loin et, avant qu'il soit près d'eux, ils complotèrent contre lui pour le tuer. Et chaque homme dit à son frère, « Voici le maître des rêves qui vient. Maintenant, venez, tuons-le et jetons-le dans l'une de ses citernes. Nous dirons qu'une bête féroce l'a dévoré, et nous verrons ce que deviendront ses rêves. » Mais Réhouben entendit cela et le délivra de leurs mains, en disant, « Ne tuons pas son âme. » Réhouben leur dit encore, « Ne répandez pas le sang. Jetez-le dans cette citerne qui est dans le désert, mais ne mettez pas la main sur lui. » C'était pour le délivrer de leurs mains et le renvoyer à son père. Lorsque Yosef fut arrivé auprès de ses frères, ils dépouillèrent Yosef de sa tunique, de la tunique de plusieurs couleurs qui était sur lui. Ils le prirent et le jetèrent dans la citerne. Cette citerne était vide, il n'y avait pas d'eau.